Ember, même quand tu joues gardien de but, tu continues à penser comme un attaquant, n'est-ce pas? C'est quoi le rapport? Depuis le début du match, j'ai l'impression que nous n'avons pas de gardien. Au lieu de penser à attaquer, réfléchis à comment tu pourrais protéger ces cages. Non, ce sont tous des leurres. La seule vraie menace, c'est... Polaris va remettre Ember à son poste de prédilection. Attaquant! Il reste 10 minutes, ils ont encore 2 buts d'avance. Maintenant, on renverse la situation. Tu te sens d'attaque? Oui. J'accepte de relever ce défi! Oh! Si le match avait été un concours de tir entre toi et Blaze, nous n'aurions pas fait le poids face au travail d'équipe de Kirkwood. Pour avoir une chance de les vaincre, il fallait que tu joues comme un véritable attaquant de classe mondiale. Vous allez me servir de faire valoir pour mon but, bande de médiocres! Restez en formation! Défendez sur Ember et arrêtez-le! Maintenant, Ember, montre-nous le meilleur football que tu as dans les pieds! Je suis en pleine forme! Il est rapide! Elliot Ember est comme attaquant! Ember, je connais ton côté sombre, mais je me fiche complètement de ce qui te motive à jouer au football. Tout ce que je veux, c'est jouer le mieux possible! Tu ne m'intéresses pas non plus, si tu veux savoir. La seule chose qui m'intéresse dans le football est la destruction de mes adversaires. Et j'aurai ma revanche. Ember perce tout seul la défense si bien orchestrée de l'équipe de Kirkwood. Oh, Ember vient de faire la passe à Orion. Les buts sont complètement dégagés devant lui. Frappe centrifuge. But! Nicole Polaris vient de marquer un but. Ouais. Tout portait à croire qu'Ember allait marquer tout seul, mais il vient de mener une action parfaitement synchronisée avec Orion. Décidément, Ember est surprenant. Ils ont joué collectivement en attaque et ils ont réussi à déjouer la défense. Sacré Ember, il est très différent par rapport à d'habitude. Ça y est, on y vient. On dirait qu'Ember vient d'emprunter un nouveau chemin. Son surnom lui va comme un gant. Un maître aux commandes. C'est maintenant que le vrai match commence. C'est ce qu'on va voir. Vise le sommet. Et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Dans la vie, un jour ou l'autre, il pourra t'arriver d'avoir à relever des défis. Alors tu ressentiras peut-être venir en toi la peur de faire un choix. Mais le destin ne t'attend pas, le destin a déjà choisi. Abandonner ne sera pas une option, tu le feras, ça ira. Si tu dois avoir peur, ce n'est pas de l'erreur. N'aie pas peur d'y arriver, n'aie peur d'abandonner. Ton équipe est avec toi, elle a confiance en toi. Et vous irez de l'avant, c'est ensemble que vous serez plus grand. Que vous y arriverez si vous visez le sommet et vous n'aurez pas perdu votre temps. Vise le sommet. Et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Cours, oui, vas-y, cours. Cours encore. Oui, encore et encore. Une nouvelle lumière.
La seule personne qui pourra un jour t'aider à sortir de tes ténèbres, c'est... Plus que 7 minutes dans cette deuxième période qui oppose Kirkwood et Polaris. Et le score est toujours de 2 buts à 1 en faveur de Kirkwood. Ils repartent à l'attaque avec une parfaite circulation du ballon. Mince, ils vont trop vite. Le 9 était marqué, attention! À toi à lire! Hé, hey, le hérisson! Bloque la crête verte! C'est comme si c'était fait! J'ai bien entendu! Allez, on les marque tous! Oh, ce sont donc les instructions d'Ember! Les trois frères Murdoch sont sous pression! Pio a réussi à l'intercepter! Et quoi? Je l'ai! Mais Blaze vient de tacler sans faute! Il se dirige maintenant droit vers le but adverse. Il se retrouve seul devant, oui, le gardien de but. Tornade de feu! Et c'est le but! Voilà, ça c'est la vraie tornade de feu! Incroyable! T'es le meilleur, Blaze! Il reste maintenant moins de 5 minutes à jouer. Et le score est de 3 buts à 1. La situation devient critique, voire irrécupérable pour l'école Polaris. Il faut qu'on marque encore 3 buts. Ne sois pas stupide. Ouvre bien grand tes yeux et regarde. Devant nous se dessine le chemin de la victoire. Allez, vous tous, on y va! Arrêtez-les! La course de Sharp va être bloquée! La défense de l'équipe de Kirkwood est solide! Colette Lee, qui s'était démarquée, récupère la balle! Tu peux le faire. Feinte Angélique. Il est passé. Génial. Ember a pris conscience de l'importance du travail collectif et il commence à faire surgir la force de son équipe. Et on peut dire que ça marche plutôt bien. Exactement comme il l'avait prévu. Travis. Alors c'était donc ce que tu cherchais en appliquant cette stratégie. La défense est parfaitement coordonnée aussi. C'est parti! Attendez, vous croyez qu'on va vous laisser faire? L'équipe Polaris fait circuler le ballon dans un jeu de passe offensif. Cette balle porte en elle tout leur profond désir de victoire. Ember récupère le ballon et s'engage à la surface de réparation. Volée de Marchand! Il faut l'arrêter! Ouais! L'équipe Polaris égalise à la dernière minute de jeu. Et le chronomètre affiche une minute de temps additionnel. Inazuma Eleven. Nous avons donc une minute de temps additionnel. Notre dernière chance de marquer. Place à notre technique spéciale, plus forte que tornade de feu. Attention. Ah,
tornade inversée. Hé, le chevelu, arrête-la. Il l'a arrêté. C'est incroyable. Il a intercepté Tornade inversée. Ça joue. Voilà, c'est bien. L'équipe Polaris mène l'attaque en faisant circuler le ballon. Les passes sont précises et parfaites. C'est l'apogée d'un travail d'équipe. Cependant, il ne reste plus beaucoup de temps. On n'y arrivera pas. Fais la passe. À toi. Ember reçoit la balle sur un plateau. Mais Blaze vient l'intercepter. C'est bon, j'ai... M'écharpe apparaît. Quoi? Malheureusement, il ne contrôle pas la balle et sa passe n'arrivera pas jusqu'à Ember. Oh non! Comment Sharp a-t-il raté son coup? Allez, fonce! Enfin, ça commence à devenir intéressant. Comment peut-il être aussi rapide? Ember! Il va le faire! Attrape-le! Exception in extremis de Ember. C'est incroyable. Encore une prouesse de l'incontestable diable du terrain. Vous croyez vraiment que Sharp avait prévu tout ça? Alors ça veut dire qu'il a fait exprès de rater sa passe? Il savait pertinemment qu'Ember serait assez rapide pour la rattraper. Toute l'équipe s'est remise en mouvement avec cette récupération de balles incroyable. Encore un travail d'équipe remarquable. Préparez le triangle de la mort. Sifflet final! L'équipe Polaris renverse la situation en gagnant 4 buts à 3. La confiance que l'équipe a mise en Ember leur a permis d'accomplir ce miracle dans les dernières secondes. On a réussi! On a gagné! Ember, on a gagné! Oui. Ember, tu as enfin révélé ce que tu es vraiment. Le véritable attaquant de l'école Polaris. C'est le premier pas qui te permettra de sortir de tes ténèbres. Et le meilleur joueur de ce match est... Elliot Ember de l'équipe de l'école Polaris! Elliot Ember. Les choses deviennent intéressantes. C'était un bon match. Oui, c'est vrai. Ben mince alors. Match, les gars. Si maintenant Ember se met à jouer en équipe, il risque de devenir un adversaire gênant. C'est vrai, mais sa façon de jouer est dangereuse au-delà même de son nouveau travail d'équipe. Il y a quelque chose d'une autre nature, tout au fond de lui, qui en fera un redoutable adversaire tôt ou tard. C'est ce que je ressens chez lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien du tout. Ce doit être dans mon imagination. Ember! Alors, tu as joué quand même, finalement? On peut savoir qui tu es. Quoi? Ah oui, le petit joueur de l'école d'amateurs, c'est vrai. Nous ne sommes pas des amateurs! À plus tard. Il faut que je te dise que ta façon de jouer est vraiment incroyable à regarder.
Ça m'a transporté tellement c'était magique. Mais dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu jouerais au football seulement pour assouvir une vengeance ? Je ne crois pas que tu devrais te mêler de ça. Mais Amber, le football ne peut pas être un instrument de vengeance. Allez, tais-toi ! Peu importe mes motivations personnelles, je suis un excellent joueur de football. Et c'est ça le plus important, non ? Le jeu était admirable aujourd'hui. Dis, Amber, tu as l'air d'avoir un poids sur les épaules. Quoi ? Vas-y, parle-moi, je suis prêt à t'écouter. Je n'ai absolument pas besoin de discuter. Et en plus, je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu es vraiment difficile à comprendre comme joueur. Mais il faut que je t'avoue quelque chose. Aujourd'hui, on a tous vu que tu prenais du plaisir à jouer au football. Salut. Ah, je vois que tu lui as mis une boucle d'oreille. Et tu lui as donné un nom aussi. Attends, on va chercher. On pourrait l'appeler Jolie Nours. Ne t'inquiète pas. Un jour viendra, je te vengerai et ce sera en jouant au football. Malgré tout, quand j'aurai réussi, je serai quand même heureux de continuer à jouer au football. À bientôt, Candice. Je reviendrai. Candice ? Je suis venu te voir. D'où vient cet ours en peluche ? Je suis sûr que tu as passé l'âge d'aimer les ours en peluche. Et que tu préfères ceci. Elles sont belles, non ? Je suis allé voir un match aujourd'hui, et ça s'est révélé très utile. J'ai fait quelques découvertes, disons, plutôt intéressantes. Désolée, je suis en retard. J'arrive juste à temps. Le match n'a pas encore commencé. C'est passé. Depuis quelque temps, il se passe beaucoup de choses. Depuis quelque temps? Mais je me suis seulement absentée pendant 3 jours pour une excursion en famille. Quoi? Quelque chose est arrivé? Ce n'est pas facile à expliquer. Le match est sur le point de commencer. Alors là, à quelques minutes du coup d'envoi, ça se fait pas. J'ai toujours eu la conviction profonde que ce coach avait quelque chose d'un peu louche. N'ayons pas peur des mots, on peut dire complètement louche. Est-ce qu'il y a un problème avec l'entraîneur? Oui! C'est l'entraîneur! Mais quoi, l'entraîneur? Il a été arrêté! Quoi? Comment ça, arrêté? Un match sans entraîneur? Comment pourrait-on affronter l'équipe de l'école Anima Sana et ses super stratégies? Dans le prochain épisode de Inazuma Eleven Ares, un match sans entraîneur. Le proverbe du jour d'Inazuma Eleven.
Ouvre bien grand tes yeux et regarde. Devant nous se dessine le chemin de la victoire. C'est tout.